On se réveille avec Florian. Salut Florian. Salut l'équipe. Alors, ça raconte Florian. Quoi par ici? Ah oh, bah on prépare le barbecue pour midi. Ah, ah barbecue. La chance. Il y a quoi au menu chipot merguez? Côte de bœuf avec sauce chimichurri. Oh, j'adore. Oh, j'arrive, moi. Attends, la sauce faite maison? Ah ouais, bien sûr, herbe fraîche et tout. C'est quoi chimichurri? C'est le jeu pierre feuille ciseaux? Non, c'est avec un peu de piment, de persil. Bah vas-y, tu peux donner la recette hein, pour nos auditeurs. Ouais, bah tu écrases de l'ail avec un peu de sucre, un peu de jus de citron. Mmh. Tu rajoutes plein d'herbes fraîches que tu ciselles en tout fin. Mmh. Et après, tu rajoutes un peu de piment, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et puis, tu nappes ça sur ta viande grillée. Ouais. C'est du bonheur. Excellent. Ça a l'air pas mal. Hein. Excellent. Ça manque de Nutella, tout ça. Non, non. Florian, selon un sondage, 64% des Français ont un avis très négatif sur quelque chose. Sur quoi, selon toi? La politique. La politique, non. Diane. Leur patron. Leur patron, non. Yannick. Leur ex. Leur ex, non plus. C'est quelque chose qui appartient au passé. Ah, bon. Leur ex aurait pu dire ça, mais c'est pas ça. Fabien. Bah non, parce que tu me pièges avec le passé. Est-ce que j'allais dire que 64% des Français ont un avis négatif sur la cantine d'Europe 2. Mais ah, ça, c'est 100%. Ça, c'est 100%. Je peux confirmer. Diane. Leur premier job. Leur premier job, non. Avant ça. Avant ça. Florian. Moi, je pense à l'éducation. L'éducation, je prends la réponse de Florian, c'est l'école. Ah ouais. 64% des Français s'accordent à dire que l'école fonctionne mal. Ils veulent de la culture générale, être préparés à la vie en société. Mais c'est vrai, à l'école, t'apprends avec des compas, des équerres, des trucs que tu n'utilises plus jamais. Et on t'apprend pas à vivre la vraie vie. Mmh. Ouais, 64%, bah, c'est énorme. Hein. Les 36%, c'est les premiers de la classe. C'est ce qu'ils pensent, mais je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il y a eu mon fils qui est en CP, pardon. Ils ont vachement changé la manière d'apprendre. Ah ouais? C'est hyper concret, c'est les profs qui donnent à fond. Non, moi je les soutiens à mort, les profs et les maîtresses. Diane. Moi je pense qu'il y a des choses qui sont pas apprises à l'école et que, dont on aurait vraiment besoin. Moi quand j'ai été lâché comme ça. Une story sur Instagram. Non, mais quand t'es lâché dans le monde du travail, excuse-moi, mais moi pour remplir une fiche d'impôt, faire ma carte de sécurité sociale. Non, mais elle a raison, c'est vrai. Payer les factures, prendre un abonnement, elle a raison, c'est con, Diane. Prendre un abonnement téléphonique. Bravo Diane. Non, mais arrêtez l'école. Attendez, mais attendez, l'école. Bientôt on va te dire on va repasser à l'école. Bah oui, bah ça sert plus de repasser que de se servir d'un compas. Non, mais ça dépend. Bah oui, bah oui. Payer les factures, savoir comment EDF ça marche et tout, c'est beaucoup plus intéressant. Bravo, pas du tout. Florian, t'es d'accord avec qui? Alors moi je pense plutôt que le problème il vient aussi des familles, parce que quand vous voyez les enfants maintenant sur les smartphones au restaurant tout le temps, et en fait il faudrait d'abord les éduquer un peu. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? C'est le débat de la présidentielle. Vas-y. On passe plus de temps avec les professeurs qu'avec les parents maintenant. Oui, bravo. Ça, bien envoyé ça, bien envoyé. Et que du coup, Florian, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Qualitatif et de fun. La culture générale, elle vient quand même des familles et qu'il faut les stimuler en les emmenant au musée, en vacances, plutôt que de les laisser devant la télé, quoi. Bravo. Allez, on va se retrouver dans un instant sur RMC avec ce débat. Merci d'avoir été avec nous, Florian. On te fait des gros bisous. Moi aussi, je vous embrasse. Le Morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.